Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour tester un projecteur à LED. Donc c'est un projecteur avec une animation et de la musique. Donc on peut l'utiliser pour plusieurs choses. On peut l'utiliser soit pour Noël, c'est ce que j'avais fait, on peut l'utiliser pour Halloween ou encore pour Pâques. Ce type de projecteur en fait permet d'afficher quatre images, donc ça fait une petite animation avec de la neige et de la musique. Donc la musique on n'est pas obligé de la mettre hein, et on peut la désactiver, changer la musique comme vous allez pouvoir voir par la suite. Donc voilà tout ce qu'on retrouve. Hein. Donc on peut le mettre sur un piqué, il y a une télécommande et il y a des cartes. Donc les cartes, c'est en fait c'est les quatre images qui sont projetées. J'ai utilisé ce projecteur en fait au mois de décembre 2018 et donc un peu janvier. Et voilà, maintenant je publie mon avis, ce qui est beaucoup mieux. Donc j'avais filmé à l'époque. Hein. Voilà le projecteur. Donc c'est vraiment un truc basique, hein. Il ne faut pas s'attendre à un grand truc. Hein. Donc ça diffuse la lumière et voilà, on va voir ce que ça donne après. Donc voici un exemple de carte. Hein. Donc c'est ça qu'on met dans l'appareil. Voilà, c'est ce qui est affiché en fait après à l'écran. Ça c'est simpliste, mais bon, ça fonctionne bien. Donc là voilà, ça c'est la carte micro SD donc qui est dans l'appareil. Ici, voilà, c'est là qu'on la met. Et c'est là qu'on peut mettre la musique. Donc vous pouvez les changer, bien entendu, on verra par la suite. Hein. Donc la musique qui est dessus par défaut, c'est Jingle Bells. Hein. Donc Joyeux Noël. Je vous montre les différentes animations. Donc là, j'ai rajouté un fichier MP3 pour changer l'ambiance pour Halloween. Voilà, donc là, j'ai mis une autre musique. J'ai rajouté en fait un second fichier MP3 et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est au mois de décembre dernier. Voilà, donc je vous laisse regarder ce que ça donne sur la maison. Voilà, comme vous pouvez voir, donc ça fonctionne bien. Donc ça a passé l'hiver, donc j'ai eu aucun problème là-dessus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que bon, on peut mettre un temps, dire que ça démarre pendant 3 heures et compagnie. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais branché sur une prise connectée, donc que je déclenchais que le soir quand il faisait nuit. C'était plus simple. Par contre, faites attention au son, parce que par défaut, si c'est éteint, ça se rallume, le son est à fond et ça fait beaucoup de bruit. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, partager, liker, et je vous dis à la prochaine!